C'est beau hein, de voir toutes ces. Hein? Tu le je disais? Je ne je sais pas quest ce qui se passe, sincèrement. Parce que, comme je l'ai évoqué à deux reprises quand on s'est vu, c'est que je t'ai connu en 2004. Quand je dis connaître, c'est sans une rencontre physique. Je te suivais depuis un moment. Et je suis passé, c'est vrai, au travers de plusieurs choses, mais ce que je suis en train d'entendre aujourd'hui, c'est un moment de rafraîchissement. Et au fur et à mesure que les deux sœurs ont témoigné, je regardais dans euh, Joël, je dis Waouh Dans les derniers temps, hein, mon esprit reposera sur vos fils et vos filles, ils prophétiseront, ainsi de suite. Et je revois la fraîcheur, c'est une fraîcheur de l'évangile qui est témoignée. Et je crois que je repartirai d'ici comme si j'avais assisté à un des plus merveilleux cultes auxquels j'ai pu assister parce que euh, c'est les témoignages et les paroles que je dirais que j'ai peut-être entendu dans mon jeune âge parce que j'ai eu un parcours assez, euh, je dirais, en dents de scie et plus ou moins euh, chaotique, quand bien même euh, je bénis le Seigneur au travers de tout ce que j'ai pu passer. Mais réentendre aujourd'hui ces deux témoignages, ça me... Voilà, j'ai l'impression et comme je disais hier au moment où on s'était vu comme par hasard sur l'autoroute en plus <laughs> sur l'autoroute, je disais je veux plus te lâcher, ah, je veux plus te lâcher et il y a quelqu'un qui m'a dit mais tiens euh, sache que euh, là où on s'est vu à l'endroit où on s'était vu, c'était pas parce qu'il fallait être à cet endroit là, c'est parce qu'il fallait rencontrer Chora. Euh, euh, on peut être chrétien, au moins on peut se dire chrétien et être vraiment à côté de la plaque. Euh, on peut trouver et se dire chrétien, lire, méditer, assister dans des cultes. Mais on développe au plus ou moins, on vieillit euh, des résistances comme une personne, je dirais, qui traitait aux, aux antibiotiques. Mais quand le traitement n'est pas suivi jusqu'à la fin, le corps développe une résistance aux antibiotiques. Et plus loin, quand on reprend le même traitement, ça ne fait rien. Et c'est la situation qu'aujourd'hui... Dans beaucoup de chrétiens, et je le dis d'autant plus qu'en disant dans beaucoup, c'est que c'est un constat ou du moins un diagnostic que je fais aussi pour moi-même, c'est qu'on développe une résistance, une résistance à la parole qui est vraie. Pourquoi Parce qu'il y a toujours une recherche de justifier ou du moins de raisonner par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Et dès l'instant qu'on rentre dans cette situation, c'est là où souvent, au lieu d'être dans la pureté de la parole et dans la simplicité de la parole, on retrouve tous ces travers mmh. qu'on peut pouvoir déplorer dans nos, nos milieux. Et je crois que je parlerai, je parlerai un jour. Mais aujourd'hui, j'étais un peu pris, je dirais à pied levé. Et, et je suis certain maintenant qu'il euh, y a un travail, il y a un travail pour moi, euh, un travail, je dirais, d'écrassage mmh. spirituel, si faut pouvoir s'exprimer ainsi en même temps un travail de remise en cause, de remise en question, parce que je me rends très bien compte de, de là où j'étais, je parle de là où j'étais dans le sens où, converti, appelé à un certain moment. Je vais donner un petit, un court témoignage, mais très court. Il a pas de euh, très jeune, et ça c'était au Congo, euh, j'étais dans un internat vraiment à l'intérieur du pays, catholique, fervent catholique, et l'internat c'était vraiment une école de prêtres. Hein le prêtre de la congrégation des Scuts, la congrégation des Scutes qui est une congrégation, je dirais, de tendance belge, mmh. mais qui discute de la congrégation de Marie. Je reviens, c'était à une, à peu près 1000 kilomètres de, de, de mes parents, donc je ne rentrais que euh, durant pour les grandes vacances. Et quand je reviens, euh, je, tout le monde prie d'une manière assez bizarre. Mmh. Et dans des langues un peu barbares, je dis mais qu'est-ce qui se passe il y a une façon de prier qui un peu m'interpelle. Je dis mais je dis mais maman qu'est-ce qui se passe Vous commencez à prier à haute voix, vous criez. Euh, né catholique, baptisé catholique, étant dans une école dirigée par des prêtres catholiques, il y a des choses que je trouvais bizarre. Et euh, mon, mon grand cousin qui lui était aussi dans dans le bain, euh, il commence à me parler. Tu sais Jean-Pierre, euh, il s'est passé des choses ici. Euh, on a rencontré le Seigneur, mais on le connaît, le Seigneur. On l'a rencontré où euh, on le, Dans un coin de rue ou quoi Et bref, il m'amènera, ce cousin, à, 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 à faire ma prière de repentance. Et, et cette nuit-là, je vivrai une euh, vision qui, pour moi, était vraiment une délivrance. Je vais assez rapidement, pour que vous compreniez. Je repars à l'intérieur où j'étais, tout feu, tout flamme mais une école catholique et, et, et durant les pauses à l'internat je commençais à passer mon temps à témoigner et un jour et bizarrement et c'est là le, le, la clé du problème c'est que un tournoi de foot assez important parce que c'était quand même une école assez cotée dans cette province avec euh, assez connue au point que ce tournoi mobilisait toute la ville hein. une ville allez, je dirais si on doit comparer avec la France c'était comme si on était à Lille quoi et c'est ce tournoi mais aussi scolaire qu'il était il mobilisait vraiment euh, les jeunes de toute la ville et l'un des prêtres de, de l'école où j'étais euh, va financer euh, les services d'un féticheur pour l'équipe adverse wow. ça c'est connu oui pour que eux nous battent au fait donc nous on était en, en, en terminale et euh, un peu je dirais en rébellion vis-à-vis -vis de l'autorité de certains prêtres de l'école et lui il avait financé euh, ce féticheur qui était assez renommé parce que il faisait ses services sur les grandes équipes qui jouaient dans les divisions provinciales et même au niveau national. Alors euh, j'étais ce qu'on appelait là-bas à l'époque euh, le commandant de l'école, c'est-à-dire l'équivalent d'un délégué mais au niveau de toute l'école qui allait du, 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 de la première année au secondaire jusqu'en terminale, donc moi j'étais en terminale, et on vient frapper à ma porte à 2h du matin, à l'internat, on me dit, tiens Jean-Pierre, réveille-toi, regarde par la fenêtre, je regarde par la fenêtre, je vois un groupe venir du village, il y avait un village qui n'était pas loin, on me dit, tiens voilà, ils viennent de tel féticheur, parce que le match de foot d'hier, ça y est, on a, on a perdu. Reflexe par rapport à la nouvelle conversion que je venais d'avoir au moment où j'étais parti en vacances chez les parents. Je dis, ah bon, s'ils sont allés voir un féticheur, bah écoutez, euh, nous, on va aller vers Dieu. Mm -hmm. Mais il n'y a que cette solution. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, prendre la décision en Afrique et dans un internat de jeûner, c'est que déjà, il y a un problème. Déjà, on y mangeait mal. Euh, en plus, euh, dire qu'il fallait jeûner, je dis, écoutez, je le fais pour vous, je je jeûne. Et, le témoignage était venu vraiment après c'est que le matin vers 10 heures, un des, le féticheur leur avait donné euh, trois tétards qui, qui, qui représentaient en fait les trois buts mm -hmm. que cette équipe devait euh, ceux qui sont africains ils connaissent ce que je dis et même dans le monde du football ils comprennent exactement le ce comprend comprend que les tétards, hein, je choque. Mais tétard c'est les Crapauds, euh, bah, ah. Dans la formation, justement, des grenouilles ou des crapauds, ils ah. commencent par les œufs, qui, qui les têtards et puis ainsi de suite. Et les trois têtards représentaient trois buts. Et le, le féticheur ne comprendra pas que vers 9h ou 10h du matin, mmh. moi j'étais en jeûne et en prière, seul, sans trop savoir comment on jeûnait. Mmh. J'avais entendu mon cousin qui m'avait euh, prêché il y a quelques mois quand j'étais en vacances, tiens, on ne mange pas, on fait ceci, on prie. Bah, je faisais comme lui. Mmh. Et vers 10h, un hein, des têtards qui meurt l'histoire me le racontera plus tard euh, vers midi deuxième tétard qui est le féticheur qui se demande mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui qu 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 <laughs> qu qu se passe alors le match devait se dérouler vers les 15 heures, vers 13 14 heures, le troisième qui, qui crève et un de, de ceux qui étaient de de, 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 de ma classe donc euh, euh, qui découvre en plein milieu du terrain qu'ils avaient euh, planté euh, quelques fétiches et tout bon bref et voilà qu'on gagnera ce match. Et je me rappelle l'avant match parce que c'était un tournoi qui avait été long. J'avais joué les premiers, mais j'avais laissé à ceux qui jouaient mieux que moi de jouer. On jouait au foot, mais pas pas tellement bien, en tout cas en ce qui me concernait. Et avant ce match, j'ai réuni toute l'équipe et. Euh, c'était dans la maison familiale qui n'était pas loin de l'internat on était dans des membres de l'équipe où on jouait ses parents nous avaient prêté au fait c'était une étable et on s'est réuni là-bas et j'ai pris la bible je sais pas où est-ce que j'avais appris j'ai commencé à partager avec eux la parole de dieu avec non non oui c'était une école catholique de ouais. hein. tous catholiques et tous membres de l'équipe, avec tous ceux de de, de, de l'école, tous de, de la terminale, au fait, qui soutenaient notre équipe parce que c'était pour ceux de la terminale. Alors, je, je parlais de Jésus et c'était euh, comment il, il était sur la croix. Et voilà. Et un des 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 gars qui était là, il il la, il il avait une vision devant lui. Il voyait défiler devant ses yeux comme un film tout ce que moi j'étais en train de raconter. Et puis, je leur dis, mais écoutez, même s'il nous reste à la fin, même s'il nous reste à une minute de la fin du match et qu'on est dix à zéro, le Dieu que je prie me dit de vous dire qu'on va gagner ce match. Puis je savais pas pourquoi j'ai annoncé, je savais pas pourquoi j'ai annoncé une telle, un tel pronostic. Toujours est-il que ce tournoi, il a été assez bizarre dans le sens où, comme celui qui gagnait, ce n'était pas celui qui allait gagner le match comme tel, mais celui qui avait cumulé l'ensemble des points, on devait absolument gagner ce match, parce qu'en cas d'égalité, on perdait effectivement ce tournoi. Et je leur ai dit, même s'il nous restait quelques secondes, pas de violence contre l'équipe adverse, rassurez-vous, on va gagner le match. On avait un gardien, je dirais, c'était le plus faiblard des gardiens qu'on pouvait connaître. Si on avait gagné quelques matchs, c'est parce que, c'est parce que, je dirais, les autres membres de l'équipe étaient très bons, vraiment très bons, mais notre point faible, c'était le gardien. Au point qu'on l'avait surnommé, au fait, je vais traduire directement, euh, comment porte de paille, ou voilà. Porte de paille, c'était le, le surnom du gardien parce que une porte de paille, on tire et ça va rentrer. À cinq minutes de la fin du match, on menait 1-0, donc, euh, voilà. L'arbitre qui siffle un pénalty. Waouh! Alors, tous se fâchent. Mes collègues, ils disent, ça y est, c'est foutu, c'est l'égalité, on va perdre, ils sautent. Ils disent, non, mais c'est un pénalty qui est fou. Moi, je dis, rappelez-vous ce que je vous ai dit mmh. tout à l'heure. Et du coup, brusquement, tous, ils se disent, ah oui, tu nous as dit quelque chose d'important. On tire le pénalty. Mais alors, cette fameuse porte de paille, bizarrement, ce jour-là, il était fort. Il était fort. Il était fort. Le gardien. Et. Euh, Quelque temps après, on gâche le match et c'est tout le monde qui a cours vers moi, qui me porte, qui me dit c'est pas possible ce que tu as dit, ça s'est réalisé, ainsi on voit que tu deviendras un prêtre. <laughs> et pourquoi je donne ce témoignage Parce que euh, juste après le match, il y a deux gars qui sont venus me voir. Mais surtout un qui m'a parlé, qui me dit tu sais Jean-Pierre, tu m'as trouvé ici dans cet internat, ça fait la troisième année que je présente le bac. Cette année, c'est la troisième fois je l'ai jamais eu. Mais j'ai vu ce qui s'est passé avec l'histoire du foot, comment tu as prié. Mais au fait, à chaque fois, je faisais des fétiches et on me donnait un stylo euh, par le féticheur pour aller faire euh, les examens du bac et j'échouais. Mais quelque chose me dit de venir te voir par rapport à ce que j'ai vu du match. Il y avait toute la ville qui était là à ce match et ça a été un moment euh, merveilleux. Et même, il y a des gens qui ont été, qui avaient assisté ce jour-là, qui sont ici aujourd'hui en France, plus de 30 ans après, 30 ans après cet événement, on s'en souvient, on en reparle encore aujourd'hui. Et ben je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? mais il prie pour moi. J'ai dit, t'es prêt? Ok. D'accord. On dit, mais tu te mets à genoux, en plein terrain de foot. Et j'ai prié pour ce garçon. Et il a reçu les Seigneur. Il a dit, oh, j'abandonne tout. Il a tout raconté. Et, euh, quelques mois après, je verrai, parce que, au pays, les, les résultats, c'est dans les journaux, il avait eu son bac. Donc, bref. Ça a été vraiment une époque où j'ai vu, et c'était euh, vraiment la pureté de la parole. Mais au fur et à mesure, je crois, on, on rentre dans un compromis. Et, et on rentre dans un compromis d'auto-justification, où, euh, le moment quand, de, 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 de comment je dirais, le compromis en compromis, euh, on développe une résistance à la vérité, à la vérité biblique. Pourquoi Parce que on, 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 on se base sur des paroles qui nous arrangent et qui, à la limite, nous peuvent nous brosser dans le sens du poil. C'est pourquoi je dis, j'étais rafraîchi absolument aujourd'hui des deux témoignages que j'ai entendus. C'est des témoignages que ça fait très, très, très longtemps. J'ai jamais entendu des témoignages comme ça. Aujourd'hui, dans les assemblées, on attend plus de témoignages. Je dirais, bon, bref, c'est l'argent. c'est... Je vais pas rentrer dans, dans les détails là-dessus, mais euh, entendre des témoignages de, 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 de comment le Seigneur, au travers de l'obéissance à sa, à sa parole, peut travailler les cœurs. Comment le Seigneur, mais au moment où l'instant on est à l'écoute. De l'instant, on, on, on se met à l'écoute et on décide d'obéir. Non pas que c'est ce, avec nos forces qu'on va euh, pouvoir agir, parce qu'on n'a pas cette capacité, mais cette disposition de cœur mmh. euh, de la part de ceux qui se disent Seigneur, oui, maintenant j'ai compris et je suis prêt à faire même ce que je ne voulais pas. C'est là où quelque chose se passe. Mmh pour amener à cette délivrance. Et c'est de, de la délivrance, ce n'est pas une délivrance où forcément on assiste à une manifestation démoniaque ou surnaturelle quelconque. Cela existe. Cela est aussi nécessaire dans nos vies. Mais en même temps, tous les jours, et je vois comment la parole de Dieu peut réellement nous délivrer. Et la connaissance de la vérité, parce qu'elles ont cru en la vérité, en cette parole, et cette parole les a guéris et a porté des fruits tels qu'on est en train de le voir. Et je vous remercie énormément. Je m'attendais pas à, à, à être là et je remercie le Seigneur que tu me dis, viens et vois. Je suis venu et j'ai vu. Et, et je glorifiais le Seigneur par rapport. Je regrette ma, pas ma journée. Et ça a été un moment où euh, je, je suis un peu perturbé par d'autres choses aussi personnelles. Et ces témoignages, ça a été pour moi quelque chose de rafraîchissant. Et m'a ramené dans cette jeunesse où je vois où j'ai perdu plus ou moins. Euh, la fraîcheur de la parole, mmh. laquelle euh, m'avait été présentée à un moment. Et il est des moments où nous perdons effectivement le chemin. Et le Seigneur, dans sa grâce, permet qu'il y ait des rencontres. Et... Mmh. Voilà, je ne sais pas comment on s'est encore revus sur l'autoroute hier. Ah. <laughs> je faisais signe. Je faisais et... Et là, je me disais, mais c'est qui <laughs> Voilà, et voilà. que Dieu, que l'Éternel soit béni. J'ai été. C'était pire qu'un enseignement, ça a ah. été quelque chose de merveilleux. Amen. Merci et merci. Amen. Voilà.